J'ai 19 ans. Je travaille à Baganté. Je suis ménagère là-bas à Baganté. Quand on était petite, on cultivait ici là. C'est nous-mêmes qui avons semé les plantains ici. Quand on était petite avec notre papa. Et ça aussi, avec notre papa. On était là où on avait enterré mon père. Voilà là où on avait enterré. Elle est allée au champ comme ça, là. Elle est rentrée, elle s'est couchée. Le lendemain, on a vu qu'elle était à mort. Donc on ne sait pas comment ça s'est arrivé. Quand mon père est mort, quand j'avais 9 ans, je suis allée à Douala. Ce n'était pas aussi facile, mais je supportais quand même. Parce que je me voyais seule. Bon, je ne voyais pas quelqu'un qui pouvait m'aider. Parce que en arrivant en troisième année, c'est moi qui payais ma pension. Je faisais la prostitution. J'étais délinquante. Je me sentais pas très bien parce que je me gâtais le corps. Je me posais aussi beaucoup de questions. Je me sentais souvent isolée en posant de certaines questions. Que c'est que la vie que moi je mène ici-là? Quand j'ai entendu l'histoire de Jésus en ma langue maternelle, je me sentais tellement contente. Parce que c'était bien important pour moi de suivre Jésus de Nazareth en ma langue maternelle. Quand je suis arrivée à Jésus, j'ai changé ma manière de vivre quand j'étais dans le monde. Quand j'étudiais la Bible, j'ai compris comment un enfant de Dieu doit marcher. Maintenant, je pars à l'église, je pars à la réunion, j'étudie ma Bible. Je prie avant de dormir, je prie. Maintenant, je vois Dieu qu'il est un père. Dieu est fidèle. Dieu est un Dieu qui ne regarde pas le mal. Et si tu le suis, c'est qu'il doit oublier tout ce que tu es en train de faire.